Il s'est passé. Du coup, mon micro ne marchait pas. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai l'impression que quand tu streames pas pendant un moment, des fois, il se passe des dingueries et tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu de mise à jour, il n'y a rien eu. Enfin, du côté d'OBS. Donc peut-être que c'est parce qu'il y a eu des mises à jour, du coup, sur mon PC, je pense. Mais sinon, c'est peut-être ça le problème. Probablement. Quelle histoire. Enfin bref. Donc, bah, Madarjeu le stream, Madarjeu les gens qui regarderont la VOD, du coup, que ce soit YouTube ou Twitch, YouTube, oh. Que ce soit Twitch ou YouTube. Oh, ça va mal, ça va mal. Je commence bien ce stream. Du coup, donc voilà. Donc. Quelle magie. Tu es un sorcier, Sylvain. Je suis un quoi? Un sorcier.
spécialement chaud pour l'Hogwarts Legacy, mais si tu veux vraiment y jouer, je peux au moins te proposer de venir discuter de temps en temps. Ah bah écoute, ah bah écoute. Moi, je suis toujours ouvert pour discuter, écoute. Toujours. Mince, il faut que je fasse okay. Login. Du coup, ouais, mais j'ai il faut que je crée un compte. Hop, attends, je me disperse là, je me disperse. Hop, non, c'est pas ça, c'est ça. Hop, faut que je me crée un compte. S'inscrire maintenant. Votre date de naissance. Je suis né le 25 novembre 1993. Voilà, maintenant vous le saurez. Maintenant vous saurez comment offrir des cadeaux. S'affiche deux fois. Voilà. Créer votre portrait. Ah, je peux créer un portrait. Et, pas du tout. C'est pas du tout moi. Il me ressemble pas du tout. Je suis plus proche de Harry Potter que de ça. Déjà. Ouais, je suis plus comme ça. Bon, par contre, mes yeux sont mignons, mais j'ai les yeux marrons. Arrive à tenir son rythme MDR. Ah, ça, c'est bien ça. Ça veut dire que t'as un bon coup au pieu et que c'est pour ça qu'il revient. En vrai, des fois, tu sais, des fois, y a des trucs comme ça où des fois, tu as un rapport sexuel avec une personne et étonnamment, c'est juste un simple plan cul qui pourrait être basique. Au final, il est incroyable pour X raisons parce que tu as l'impression que physiquement, cette personne-là te correspond bien pour te satisfaire, pour satisfaire cette personne-là. Du coup, c'est déjà arrivé pour moi aussi. Hein. Du coup, par exemple, je connais une personne qui, du coup, prend un pied monumental avec moi, mais uniquement avec moi. Tu vois, et il couche avec d'autres personnes, ça lui fait pas le même effet, tu vois. Du coup. Donc. Alors, niveau lunettes. Alors, j'aime pas, c'est des lunettes de vieux. Hop, ça me correspond. Le nez, alors mon nez il est pas comme ça. Hein, ok. Bon, ils ont des nez chelous dans ce truc, mais. Mon nez il est plus comme ça en fait. Ma bouche, ma magnifique bouche sensuelle. Si tu me l'avais déjà dit que tu étais polyamoureux. Rire débile. Bon, par contre, j'ai évité de montrer mes chicots, je les ai pas lavés aujourd'hui. Ah, un rire un petit peu naturel, un peu niais, ça me correspond un petit peu.
Là, ça fait depuis peu avant le confinement que j'ai un amoureux qui est aussi mon voisin. Oula, j'ai mes yeux qui me font la misère. Hop. Ça va mieux. Alors, au niveau des Vosges, alors déjà moi, j'ai les cheveux plutôt noirs, je suis brun foncé. Donc, capillairement, moi parlant, je suis pas incroyable. Je me prends jamais la tête avec mes cheveux. Hop. Tout il est que tard. Ah bah c'est tant mieux. Du coup. Bah, tant que vous prenez votre pied tous les deux, c'est ce qui compte. Hein. Honnêtement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion là-dessus. Et croisant mon expérience. À développer un vrai lien amoureux. Oui, bah oui, c'est des choses qui arrivent. Moi, tu vois, c'est une personne dont je t'ai parlé qui prend. Du coup, on a un lien. Je me sens pas amoureux, mais j'ai assez d'affection pour apprécier du temps avec lui, tout ça, du coup. Donc voilà, et je prends mon pied aussi avec lui, tout comme lui prend son pied. Mais je pense que lui, il développe plus un lien amoureux que moi, je n'en développe avec lui, en fait. Mais on s'entend bien, c'est pas mal, quoi. Alors, les Vosges. J'ai envie de dire les Vosges. Les Vosges. Voilà, ça c'est moi, ça c'est typiquement moi au collège. Ouais. Dommage, j'aurais dû prendre la photo, j'aurais dû récupérer les photos, mais les photos de moi au collège, terrible. Je m'en foutais royal de mes cheveux. C'est sûr que c'est. J'avais pas de calvitie à l'époque. Je perdais pas mes cheveux. Moi, pas encore. Ça, ce sont plutôt tout ce qui est. Ouais, non, moi j'ai que dalle à ce niveau-là. Je suis tout à fait normal. Alors, moi par contre, je suis barbu. Bon, après, j'ai pas la grosse barbe, mais. Moi, c'est la barbe pas forcément bien entretenue. Parce que je m'en bats les couilles. C'est mon petit côté naturel, jardinier naturel, du coup. Alors, niveau tenue. On a même les trucs de Darmstrong et tout. Tada! La robe de Hermione.
Il y a des trucs, mais c'est bien, au moins tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Alors, ça doit être du Serpentard. Vas-y, on met ça, le petit pull 4 maisons, parce que pour l'instant, je ne suis pas dans... Je suis pas encore décidé. Il faut toujours prendre soin, oui, toujours prendre soin des choses qui sont qui que tu tiens auxquelles tu tiens, que ce soit au-delà juste pas seulement l'amour hein, mais même les trucs quand tu as un minimum d'affection pour quelqu'un, voilà quoi, le s'assurer que ça périsse pas et entretenir ça, et donc voilà. Alors, ça c'est quoi? Ah, c'est un pins. Alors, préfet. Merde. Head girl. Non, ouais, head girl, head boy. Ça, c'est quoi? 9 3 quarts. Ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Du coup, non, je suis pas très pins. Ça me ressemble bien, ça. Ça me ressemble bien. Carte du maraudeur. Un balai. Un dragon. Un bâton de vieux con. Une baguette. Un passe fourré dans le cul, évidemment. Le Daily Prophet. Un bouquin. Alors personnellement, je prends de la bouteille. À son adéquation. Alors j'aime bien les chats. Mais avoir un hibou, c'est plus classe. Avoir une chouette ou un hibou, c'est beaucoup plus classe. Faut dire les choses, faut dire les termes. Du coup, voilà, marron. Hop, on a. Alors, donc ça c'est déco d'arrière-plan du portrait. Et bah bon petit déjeuner à toi. Des bisous. Mettre le miroir. Joyeux Noël, sauf que c'est plus Noël. Et c'est un peu de retard quand même. Vas-y, on se met le fauteuil. Hop. On a le Poudlard Express. Hop. Et le cadre. Un petit truc simple. Ouais, ça ira les gens. Voilà.
Hashtag my wizard portrait. Non, c'est bon. Alors. Découvrez votre maison, découvrez votre baguette magique. Découvrez votre maison, évidemment. Alors, on peut évidemment faire ça sur son téléphone. Donc, Poufsouffle ou Serdaigle. Poufsouffle ou Serdaigle. Sinon, je suis pas d'accord. Sinon, je suis pas d'accord. Alors, down au desk. Donc j'imagine l'aube et je suis plutôt quelqu'un de nocturne en général. En général, je suis plutôt quelqu'un de nocturne. C'est la grande question. Ah, je suis plus crépusculaire. J'invente des mots. Which of the following do you find my difficult to deal with? J'ai pas tout compris. C'est ça quand on a un anglais pas très bon. The following. Ah, vous savez quoi? Je suis sur la grande PC, Google Trad. Google Trad est l'un de mes plus vieux amis. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et il continuera encore. Voilà, je le dis. Hop. Lequel des éléments suivants trouvez-vous le plus difficile à gérer? Alors, la solitude, l'ennui, la faim, être ignoré. Oui, mais être ignoré, ça relève de la solitude, si je traduis correctement. Donc voilà, mais être ignoré, c'est... Ça relève de la solitude. Oui, être ignoré. C'est une chose que je sais très bien gérer moi dans ma vie. Ou le froid. Alors, c'est pas spécialement des grands dilemmes, hein, du coup. L'ennui, je sais le gérer. La solitude aussi. C'est l'un de mes meilleurs amis. La foi, non. J'ai faim, bon, bah, je mange. Hein. Il y a une différence entre avoir faim par pure gourmandise, parce qu'on a une mauvaise habitude, on se dit oh, j'ai faim, et en fait pas du tout, c'est juste la gourmandise. Est-ce que tu sais que tu as des trucs que tu peux choper comme ça, grignoter? Et la faim, quoi. Donc j'ai appris à gérer, évidemment. Et être ignoré. Être ignoré, est-ce que j'ai appris à gérer ça? Oui, puisque ça fait partie de la solitude. Donc personnellement. Ça me va. Donc voilà. Mais le plus difficile à gérer, je sais pas moi. Plus difficile. L'ennui, c'est pas compliqué à faire face, hein. Tu me mets une manette entre les mains ou un stylo entre les mains ou ma bite entre les mains et c'est bon quoi. Je m'ennuie plus.
Le froid. Je mets des vêtements et c'est bon quoi. Le mec, il est trop terre à terre. Du coup, je suis trop terre à terre. Vas-y, on va mettre le froid comme ça, hop. Ils sont contents. Chat. Donc, chouette hibou. Ça, je vois pas très bien ce que c'est. Ah non, crapaud, oui. Je viens de. Toad, je viens de passer au. Wixen. Donc voilà. Hibou, forcément. Snowy. Oh, il est magnifique celui-là. Oh, il est trop chou. Celui-là, il a un petit côté précieux, majestueux. Celui-là, il est très commun, mais en même temps, avec ses gros yeux, il attire très rapidement l'attention. Celui-là, c'est vraiment le Edwige, pour ceux qui veulent. Du coup, Screech Hall. Ça, c'est très. Très. Peu du style, on va dire, prétentieux. Il a le regard assez direct, assez franc, sa posture, tout ça, assez prétentieux. Du coup, avec. Du coup, mais celui-là, il est stylé quand même. Du coup, donc voilà, et celui-là, il est trop choupi. T'as envie de. Il est tout gros, avec ses yeux et tout. Oh, t'as envie de le prendre dans tes bras. Voilà, c'est un hibounours. Une chouette ours. Un choix ours. Chouette ours, ouais. On va dire ça. Vas-y. Oh putain. Faites simple. Faites simple, les gens. Faites simple. Un de vos camarades de maison a triché lors d'un examen de Poudlard en utilisant une plume d'orthographe. Maintenant, il est arrivé premier de la classe en charme, vous battant à la deuxième place. Le professeur Flitwick se méfie de ce qui s'est passé. Il vous prend à part après sa leçon et vous demande si votre camarade de classe a utilisé ou non une plume interdite. Que faites-vous? Je dénonce. Faut vraiment être une pauvre merde pour tricher quand même. Excusez-moi, mais. Oui, il faut quand même être une assez grosse merde pour faire ça quand même. Du coup, je sais pas, mais. Bon, il va dire, ouais, mais il s'agit de mettre toutes ses chances de son côté. C'est pas mettre toutes ses chances de son côté, c'est que tu triches, point. Voilà, tu mérites pas cette première place. Du coup, tu la mérites pas. Ils vont dire, ouais, mais du coup, t'es pas tourné vers la camaraderie. Mais c'est pas une question. Après, c'est pas une question de camaraderie. Hein. Du coup, t'es un connard parce que tu triches. Et c'est moi qui vais être le connard parce que je te dénonce. Mais non, c'est toi qui as commencé. J'aurais pas dénoncé si t'avais pas triché. Le problème, c'est du petit texte. Sont mignons, mais non. Donc, du coup, je peux pas lire. C'est trop petit. Quelle idée! Putain, quelle idée! Mais je sais pas comment je peux traduire ça. Honnêtement, je vois dire à la. Dire au professeur la vérité. You will not wait to be. To Professor Flitwick, the truth. Je peux traduire. Vous n'attendez pas que le professeur Flitwick vous demande la vérité. Je pense que je peux le traduire comme ça.
Je suis pas sûr. Niveau anglais, ça remonte à longtemps et je pratique pas. Du coup, à moins pour pécho des mecs sur internet, mais. Mentir et dire que vous ne savez pas. Donc en gros, on m'a dit, du coup, accepter qu'il y a un connard qui triche, du coup, et qui est premier de la classe alors qu'il ne mérite pas. Et poser la question. Ok. Donc, autrement dit, en gros, le professeur de Twic nous pose la question, mais on lui dit bah, c'est pas à nous de poser la question, c'est à poser lui la question. On verra s'il assume sa tricherie ou pas, du coup. Mais on verra s'il assume sa tricherie. Donc, c'est ça en fait. Essayer de le mettre face aux faits qui puissent être découverts, du coup, je pense. Du coup, ça serait plus moi, ça. Parce que bon, on n'est pas dans un cas de figure où, genre, mon frère est dans la merde et du coup il dit, ouais, non, c'est Sylvain. Du coup, donc, il me pointe du doigt. Du coup, et moi, il dit, mais non. Du coup, parce que moi, je suis le genre à faire, si je tombe, tout le monde tombe avec moi. J'assume ma connerie, mais tout le monde assumera avec moi, du coup. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Je vais pas être le bouc émissaire. Donc voilà. Donc ça serait plus mon truc. Mais en l'occurrence, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Du coup, et puis c'est vrai que je suis plus dans l'idée de mettre la personne face à ça en disant bah, posez-lui la question plutôt que de demander à moi. Du coup. Gobelette. Alors, place. Alors, votre coupe est placée devant vous. Est-ce que vous décidez de le boire? Zosmos. Rick Purple Drink, The Gift. Gift of Delicious Smell et Chocolate and Plums. Donc, apparemment, ça a l'air d'être un truc plutôt buvable. Du vin de sorcier. Comme quoi, ils boivent pas que de la bière au beurre. Alors, c'est quatre gobelets, d'accord. Le mystérieux liquide noir. That came like ink. Mystérieux liquide noir qui ressemble à de l'encre. Et give un fumet pensez que vous voyez qui vous donne une étrange vision. C'est compliqué à traduire. Je suis vraiment pas traducteur. Du coup. The flaming frosting thing, silvery liquid that sparkle about containing grand diamond. Et ça, c'est the golden liquid is right to the heart, the eye, so bright that it hurts. Ouf. Excusez-moi. That hit hurt the eye and which make sunspots dance all around the room. Et ben vous savez quoi? Google Traduction. La magie. C'est toujours magique les Google Trad. C'est mon vieux pote. Le liquide de riz est si brillant qui fait mal à l'œil et qui fait danser les taches solaires tout autour de la pièce. Oui, tout ça pour dire qu'il est lumineux, quoi. Du coup. Il aurait pu trouver un truc plus simple à dire. Mais non, faut qu'on fasse une formulation genre un peu balambiquée. Le liquide moussant. Argenté qui scintille comme s'il contenait des diamants broyés. Ok.
ça, j'ai réussi à peu près à le traduire. Donc, un mystérieux liquide noir qui ressemble à de l'encre et dont le fumet vous donne une étrange vision. Et ça, pour moi, ça, c'est du vin. Hein. Du coup, c'est du vin, c'est. Voilà. Là, le poivreau. La boisson onctueuse, épaisse et richement violette qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et de prune. C'est du vin, c'est du vin. Voilà, c'est du vin de sorcier. Donc, entre boire de l'encre, boire un truc mousseux, apparemment, qui pourrait ressembler à des trucs faits de diamants, et un truc qui me défonce les yeux, je prends le vin, forcément. Hein. Du coup, oh! Je prends le vin. Si you have any power. Si vous aviez un pouvoir, lequel vous choisiriez-vous? Pouvoir de lire, de lire dans dans l'esprit? Non. Du coup, ça m'intéresse pas. Il y a des il y en a qui, je pense, choisiraient ce pouvoir, mais je trouve que c'est vraiment une chose à pas faire, tu vois, parce que il y a vraiment des choses que tu veux pas savoir, quoi. Du coup, donc voilà, moi non. Le pouvoir de changer tout passe. Le pouvoir de changer le passé, donc voyager dans le temps, si on veut. Le pouvoir d'invisibilité, ça me correspond plus. Le pouvoir de parler aux animaux. Le pouvoir d'être une force surhumaine. Donc, ouais, si dans l'univers Harry Potter, il y a quelqu'un qui veut se la jouer One Punch Man, il faut dire à ça. Le pouvoir de changer d'apparence. Ok. Alors, personnellement, je suis plus friand de l'invisibilité. Ça me correspond plus. Personnellement. Donc, et c'est pas pour faire des trucs tordus, hein, aller dans les vestiaires, tout ça, du coup, et mater. Hein. Non, même pas. Non, vraiment juste pour avoir la paix. La paix, quoi. J'existe plus. Tant que t'existes plus sous le regard des gens, t'es tranquille. Après votre mort. Je vais avoir du mal. Après votre mort, voilà. Qu'aimeriez-vous le plus que les gens fassent lorsqu'ils entendent votre nom? Demande pour plus d'histoires sur vos aventures. Vous leur manquez. Miss you, but my miss you. Miss you. Vous leur manquez, mais avec sourire. Comment tu traduis ça, toi? Miss you. But. Tu me manques, mais souris. D'accord. Pense avec sur vos achievements, donc vos succès, vos réalisations. Du coup, pense avec admiration vos réussites, ce genre de choses. I don't care what people think of my after. Putain, ils étaient obligés de faire ça, un truc aussi long. I don't care what people think of. Je ne sais pas ce que les gens vont penser de moi après ma mort. It's what they think of me. Ah, c'est ce qui. Alors, je ne sais pas ce que les gens vont penser de moi après ma mort. C'est ce qu'ils pensent de moi quand j'étais en vie qui compte. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Ok. C'est très spirituel, du coup.
Et c'est vrai que ça me plaît bien. Avec sourire. Tu me manques. Connard, pourquoi tu souris? Être admiratif de mes exploits, ce genre de choses, non. T'as pas être admiratif. Je dis ça. Left, gauche ou droite? Gauche ou droite? Gauche ou droite? La question à la con. C'est limite une question qui pourrait même être tournée très rapidement au niveau politique. Si tu choisis droite, tu es de droite. Si tu choisis gauche, tu es de gauche. On peut pas choisir au mieux kiff-kiff en fonction du sujet. Mais je suis droitier aussi, et non pas gaucher. Et pourtant, je suis plus de gauche. mais le droite, c'est pour moi, c'est plus confortable. Je suis droitier. Ah, c'est bon? Serre-d'aigle ou pouf-souffle? Serre-d'aigle ou pouf-souffle? Hufflepuff. C'est pouf-souffle, ok. Voilà, c'est déterminé, je suis officiellement pouf-souffle. Voilà. J'adore le personnage de Nymphadora. Du coup, mais ouais, les poufsouffles sont les grands oubliés de l'univers Harry Potter. Donc, ce sont les poufsouffles les plus connus de l'univers. Du coup, j'ai hésité entre Serdaigle et poufsouffles. Bon, bah, c'est officiel, c'est poufsouffles. Voilà. Team poufsouffles. J'ai envie de lire, du coup. Ah bah, je suis censé être sur Silent Hill, mais non. Toutes vos félicitations, je suis préfet Gabriel Truman et je suis ravi de vous accueillir à la maison de Poufsouffle. Notre emblème est le blaireau. C'est vrai. Un animal souvent sous-estimé. Et c'est vrai. Je suis quelqu'un de très sous-estimé qui se sous-estime soi-même. Du coup, les gens me sous-estiment. Tout simplement. Du coup. Donc voilà, et donc ça fait de moi un blaireau aux yeux des gens. Car il vit tranquillement jusqu'à ce qu'il soit attaqué, mais qui, lorsqu'il est provoqué, peut repousser des animaux bien plus gros que lui, dont des loups. Les couleurs de notre maison sont le jaune et le noir, et notre salle de commune se trouve à un étage sous le sol, dans le même couloir que les cuisines. C'est ça. Bon, au moins c'est clair que si on a un petit creux, on peut aller dans la cuisine, choper de quoi grignoter. Ok, next. Donc on est officiellement Poufsouffle. C'est bon. Voilà, c'est dit, c'est fait. Attention, il y a de l'animation. Quel sera mon patronus? Un peu fort dans mes oreilles. Découvrez votre patronus. Serve, protect, cherche. Donc servir, protéger ou chercher. Ah, il y a du temps. D'accord. Rêve, danse, découvrir, rêve. Je suis un rêveur.
Penser, sentir, chill. Le silence. Ah, c'est bon, j'ai mon patronus. Non. L'esprit, le cœur. Cœur. C'est bon, j'ai mon patronus. Et c'est un charou. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça va donner très facilement des chats. Hein, du coup, parce que je crois que je suis pas la première personne à tomber sur le chat. Du coup, on a différents types de chats, mais apparemment, mon patronus, c'est un charou. Ok. Bon, je suis pas trop d'accord, mais j'aurais préféré un autre truc, un truc plus stylé. Du coup, donc on est, donc on a notre maison, j'ai mon patronus, donc normalement c'est la baguette magique. La baguette magique. Puis après on ira sur Silent Hill. Du coup, première, first of all, première de tous. Veuillez vous décrire. Court, grand. Moyen, taille moyenne si vous voulez, seize centimètres, c'est grand ou c'est, on va dire que c'est moyen. Par rapport à la taille de ma queue. Logique. Et vos yeux. Alors moi j'ai les yeux marrons. J'ai les yeux marrons. Puis 1m76, ça va, c'est moyen. Suis taille moyenne, je suis pas non plus grand. Was the day on which even number, food number. Ah, est-ce que je suis un nombre impair ou pair? C'est ça? Donc, c'est ça. C'est impair. Do you must pride yourself on you? Ok, là, je sais pas. Je ne sais point. Google, sauve-moi. Avez-vous plus de fierté sur votre... Ça veut rien dire. C'est quoi cette traduction de merde? Avez-vous plus la fierté de vous-même? Quel est votre... Ah non, c'est quelle est votre plus grande fierté, je pense, du coup. La détermination, la résilience, l'originalité, kindness, la douceur. Kain, oui, sa douceur, je crois. Imagination, intelligence, optimisme. Je suis pas quelqu'un de spécialement déterminé, sauf quand il s'agit de faire un jeu vidéo. Du coup, je suis pas quelqu'un d'original, ça c'est clair. L'imagination, oui. Intelligence. Ça dépend qui j'ai en face de moi. Je suis pas quelqu'un de particulièrement très optimiste. Mais Kindness. Kindness, je crois que oui, c'est douceur, je sais plus.
Donc générosité. Ah, gentillesse. Bah, je suis quelqu'un de très gentil, ça c'est clair. Du coup, faut juste pas vraiment venir me faire chier, mais parce que bon, voilà. Je suis pas quelqu'un d'optimiste, je suis pas quelqu'un de très original. La résilience. J'ai jamais compris le sens du mot résilience. Du coup, ça c'est vrai que j'ai jamais compris ce mot-là. Du coup, gentillesse. Très. Vous voyagez seul. Down. Pourquoi down? Merde. Y a des mots des fois, j'en perds le sens. Voyage seul ou sur une route déserte. Voyage seul sur une route déserte. Vous arrivez à un carrefour, vous continuez. Donc je continue à gauche, à droite, le toit de forest. Ouais, je dirais plutôt ça. Do you most fear? Quelle est votre plus grande peur? Le feu, l'isolation? J'ai certainement pas peur d'être seul. Les espaces petits. Non, je suis pas claustrophobe. Je suis oclophobe. Autrement dit, j'ai peur de la foule. Du noir. Height. Merde. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas faire un retour. Bon, c'est pas grave. Mais à ma peur, elle y était pas quoi. Gamin, j'avais peur du noir. Dans un coffre d'artefacts magiques, lequel choisirez-vous? Dagger en argent. Glittering the wall. Donc une pierre précieuse, une clé en or. Des gants noirs, un miroir orné, scrollbound, je vois pas du tout, dusty bottle, donc une bouteille, bah une dague, c'est pratique pour se défendre, un bijou, plus pour se la péter. Éventuellement pour ouvrir des portes. Si j'ai les gants noirs, si j'ai froid aux mains, c'est pratique pour l'hiver. Un miroir orné, ouais, bof. Je suis pas quelqu'un qui passe son temps devant un miroir, donc ça va. Du coup. Des gants noirs. Attention, il y a le mot dragon, donc c'est stylé. bois de poirier avec un noyau de dragon de 12 pouces et une flexibilité assez flexible. Ça va, j'ai un truc de dragon. Donc on va lire plus en détail. Donc le bois de noyer. Ce bois au ton doré produit des baguettes au splendide pouvoir magique qui donne le meilleur d'elle-même entre les mains des personnes chaleureuses, généreuses et sages. Tout à fait, c'est moi. Je me jette des fleurs, mais c'est moi. Je suis quelqu'un de généreux. Du coup. Je suis quand même très sage aussi. Les gens pourront vous lire.
Faut juste pas me mettre dans une chambre avec un mec relativement pas mal. Là, je suis un peu moins sage. Je suis très chaleureux, très généreux aussi, mais moins sage. D'après les possesseurs de baguettes en poire, de poire en bois de noyer. Non, de poirier plutôt. Non, c'est poirier. C'est ça, c'était poirier. Ouais, c'est poire. Pas noyer. C'est moi qui sais pas lire. De poirier sont, d'après mon expérience, généralement populaires et respectés. Je ne connais pas un seul cas où une baguette poire a été découverte en possession d'un sorcier ou d'une sorcière noire. Les baguettes en poire sont parmi les plus résistantes et j'ai souvent observé qu'elles peuvent encore présenter une remarquable apparence de nouveauté, même après de nombreuses années d'utilisation intensive. Nice. Donc on a un cœur de dragon. En règle générale, les cordes du cœur de dragon, des dragons produisent des baguettes les plus puissantes et capables des sorts les plus flamboyants. Les baguettes de dragon ont tendance à apprendre plus rapidement que les autres types, bien qu'ils puissent changer d'allégeance s'ils sont gagnés par leur maître d'origine. Il se lie toujours fortement avec le propriétaire actuel. La baguette magique du dragon a tendance à être plus facile à tourner vers les forces du mal, bien qu'elle ne s'incline pas de sa propre initiative. C'est aussi le plus sujet aux incidents des trois noyaux, étant quelque peu capricieux. Ok. Donc la taille, pourquoi 12? Hein? Moi je voulais 16. Comme 1m76 et mes 16 cm. Le mec est pas du tout déplacé. Pas du tout. Les notes suivantes sur la longueur et la flexibilité de la baguette sont tirées des notes sur le sujet de Monsieur Gary Collivander, fabricant de baguettes. La plupart des baguettes se situeront entre 9 et 14 pouces, bien que j'ai vendu des baguettes extrêmement courtes, 8 pouces et moins, et des baguettes très longues, plus de 15 pouces. D'accord. Celles-ci sont exceptionnellement rares dans les derniers cas. Dans ce dernier cas, une particularité physique exigeait la longueur excessive de la baguette. Cependant, des baguettes anormalement courtes sélectionnent généralement ceux dont la personnage manque de quelque chose. Plutôt que parce qu'elles sont physiquement sous-dimensionnées, de nombreuses petites sorcières et sorciers sont choisis par des baguettes plus longues. Ouais. Donc la flexibilité. Les notes suivantes sur la longueur et la flexibilité de la baguette sont tirées des notes, oui, d'Ollivanders. La flexibilité ou la rigidité de la baguette dénote le degré d'adaptabilité et de volonté de changement possédé par la paire baguette propre. Par la paire de baguettes propriétaires, bien que, encore une fois, ce facteur ne doive pas être considéré séparément du bois, du noyau et de la longueur de la baguette, ni de l'expérience de vie du propriétaire et style de magie, qui se combineront pour prendre la baguette en question unique. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, alors. Caractère avec ses baguettes.
avec la même baguette. Donc j'ai Hermione, j'ai Voldemort et j'ai Albus Dumbledore. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais moi, je suis dans le haut du panier, tu vois. Excusez-moi, excusez-moi, je suis dans le haut du panier. Voilà, c'est dit, c'est fait.